C'est nul ce truc! Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, YouTube, ça marche pas, hein? Comment ça? J'ai fait des vidéos, comme tu m'as dit, pour augmenter ma visibilité, pour attirer à moi des nouvelles personnes, des nouveaux prospects. Bah, ça marche pas. C'est-à-dire? Bah, j'ai 35 vues sur ma première vidéo, 17 sur la deuxième, et sur la troisième, seulement 5 vues. Toi aussi, ça te déprime d'avoir un peu l'impression de bosser dans le vent? Allez, viens avec moi, on va voir dans cette vidéo pourquoi YouTube ne semble pas fonctionner pour toi. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'accompagne les entrepreneurs comme toi à dépasser leurs blocages pour qu'ils puissent eux aussi mettre la puissance de la vidéo au service de leur bise. D'ailleurs, je t'ai préparé une formation pour booster ton bise grâce à la vidéo. Pense à la récupérer, le lien est dans la description. Et si t'aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Bon alors, pourquoi YouTube ne fonctionne pas pour moi? Pourquoi ma chaîne ne décolle pas? Voici 5 raisons pour lesquelles YouTube semble ne pas fonctionner pour toi et surtout comment y remédier pour mettre toutes les chances de ton côté. L'ancienneté. Tout d'abord, YouTube est une course de fond. Si tu espères avoir des milliers de vues ou des millions d'abonnés au bout de 3 vidéos, alors peut-être que YouTube n'est pas fait pour toi. C'est vrai qu'on a tous en tête les gros YouTubeurs qui font des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues avec leurs vidéos qui ont pourtant pas l'air si ouf que ça. Ça donne vraiment l'impression qu'en produisant des contenus de qualité équivalente, voire mieux, on pourrait automatiquement générer le même nombre de vues. Mais c'est oublier qu'ils sont présents sur la plateforme depuis des années, voire même depuis plus d'une décennie pour certains. Et oui! Normad a commencé en 2008. La vidéo la plus ancienne sur la chaîne de Squeezie date de mars 2011. PewDiePie publie depuis avril 2010. Et du côté des filles, Natou a commencé sa chaîne en 2011. Ces personnes-là, au fil du temps, sont devenues des stars. Quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, elles auront des milliers, voire des millions de fans qui seront prêts à consommer toutes leurs vidéos. Même si la qualité est moyenne, même si le sujet est pourri, même si c'est juste une vidéo qui les montre en train de se balader quelque part. Il doit bien y avoir des exceptions. Oui, et bien sûr, il y a des exceptions, des chaînes qui ont progressé exceptionnellement vite par rapport au nombre de vidéos et à leur ancienneté. Comme la chaîne d'Aurore Rogier qui canalise des guides de lumière en direct et qui a accessoirement parlé de ce qui allait se passer en mars 2020, 2 bons mois, si c'est pas plus, avant que ça arrive. Sa chaîne dépasse les 9 millions de vues alors qu'elle a été créée en septembre 2019 seulement. Ou MiCode, hacker informaticien, dont la chaîne a grandi extrêmement vite puisqu'il est passé de 0 à 200 000 abonnés en 2 mois et seulement 6 vidéos. À coup de sujets hautement putaclic tels que « J'ai hacké des arnaqueurs du bon coin »,« Je hack ma sœur par USB » ou encore « Un virus me demande une rançon ». Il y a aussi l'exemple assez dingue de la chaîne américaine Dad, How Do I? Qui donne des exemples concrets par un papa sur des trucs de mec, comme comment on noue sa cravate, comment on se rase, comment on change un pneu, et qui a dépassé les 3 millions d'abonnés en 10 mois. Ah, bah tu vois que c'est possible! Oui, c'est possible, mais si tu vas par là, il y a déjà quelqu'un qui a marché sur la Lune. C'est possible donc de marcher sur la Lune. Et je connais aussi quelqu'un qui sait courir le 100 mètres en 9 secondes 58. Ça aussi, c'est possible. Mais restons réalistes. 500 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute. Pour que tes vidéos sortent du lot, il faut être régulier et patient. Ou avoir un gros coup de chance et trouver un sujet qui intéresse plein de gens et où il y a assez peu de vidéos qui existent déjà, comme Dad, How Do I? La qualité. La deuxième raison pour laquelle tu ne décolles pas sur YouTube, je suis désolée de te le dire, c'est à cause de la qualité de tes vidéos. Bon, en vrai, je connais pas ta chaîne, alors mets-moi le lien de ta chaîne en commentaire, j'irai jeter un œil et je te dirai ce que j'en pense. Mais globalement, la plupart des gens qui me contactent parce qu'ils ne décollent pas sur YouTube, je vois assez vite pourquoi en visionnant une ou deux de leurs vidéos. C'est que YouTube est une plateforme compétitive. Si tu veux être dans les premiers, il faut t'en donner les moyens. Si tu penses qu'il suffit de sortir ton téléphone et de blablater sur un sujet qui t'intéresse toi, mieux vaut oublier YouTube. Il y a tellement de contenu sur YouTube que le zap est rapide si tes vidéos ne sont pas géniales. Car oui, tu dois viser le génial. Génial? T'es sérieuse là? Oui, tes vidéos doivent être tellement géniales qu'elles donnent envie d'être regardées jusqu'au bout et d'être partagées. Elles doivent aussi donner envie de regarder d'autres vidéos de ta chaîne et de s'abonner à ta chaîne. Alors évidemment, tes vidéos vont pas être géniales
du premier coup, on n'a pas tous commencé à courir. D'abord, on a commencé à marcher et au début, on s'est plutôt vautré plusieurs fois. Tu vas faire des erreurs, publier des vidéos qui vont faire très peu de vues parce qu'elles méritent peu de vues. Mais à force de recommencer, tu vas t'améliorer. Tu vas prendre de l'assurance face caméra, trouver de meilleurs sujets, des façons plus intéressantes de les aborder. Et tes vidéos vont faire beaucoup plus de vues. C'est du boulot, quoi. Oui, l'une des raisons pour lesquelles les personnes pensent que YouTube ne fonctionne pas pour elles, c'est parce qu'elles s'imaginent que c'est facile. Mais derrière les bonnes vidéos, il y a de la recherche, du travail d'écriture, de l'entraînement face caméra, du boulot quoi. L'intérêt du spectateur. Ce qui manque aussi souvent, c'est l'intérêt du spectateur. Trop nombreux sont en effet les youtubeurs qui veulent faire des vidéos sur les sujets qui les intéressent eux. Exactement comme tonton Jean-Marc qui tient absolument à montrer à toute la famille son montage constitué uniquement de photos de fleurs rares. Parce que les fleurs rares, c'est sa passion à lui. Si tu veux que tes vidéos soient vues, fais des vidéos sur des sujets qui intéressent les gens. Et pas n'importe quels gens, ceux qui sont potentiellement intéressés par tes offres. Ainsi, si tu es prof de yoga, fais des vidéos sur des postures les plus classiques, sur, comment s'échauffer avant de faire une séance de yoga, ou alors sur des petits enchaînements qu'on peut faire pour se détendre ou se délasser en fin de journée. Et si tu es coach de vie, fais des vidéos pour parler des grandes difficultés, les plus classiques auxquelles sont confrontés tes clients, et donne leur des conseils sur comment ils peuvent dépasser ça par eux-mêmes. Le référencement. Les youtubeurs amateurs oublient souvent que YouTube est un moteur de recherche. Si tu veux que tes spectateurs trouvent tes vidéos, il faut tout simplement expliquer à YouTube de quoi elles parlent. Et pour ça, il faut utiliser les mots-clés. Nourrir l'algorithme. En choisissant des mots-clés qui sont suffisamment cherchés chaque mois, mais avec pas trop de résultats, pour que ta vidéo à toi remonte en première page de la recherche YouTube le plus vite possible. Et ça, c'est aussi du boulot, parce que pour trouver des mots-clés qui sont suffisamment cherchés et pour lesquels il n'y a pas beaucoup de vidéos, eh ben, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais si tu bosses bien ton référencement, avec le temps, tes vidéos seront bien positionnées sur les mots-clés que tu auras choisis. Et si tu es en première page pour un mot-clé qui est cherché plusieurs centaines de fois par mois, ta visibilité mécaniquement augmente. Mais ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. On en revient au premier critère. Les chaînes YouTube atteignent rarement les 1000 abonnés en moins d'un an, sauf si l'une de leurs vidéos explose en visibilité. Et pour maximiser tes chances que cela arrive pour l'une de tes vidéos, il faut en faire la promotion, tout simplement en informant tous tes contacts à chaque fois que tu sors une nouvelle vidéo. Tu as une audience déjà, certainement sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, que sais-je encore, ou peut-être même une liste email. Alors, chaque fois que tu publies une nouvelle vidéo, tu dois informer tout le monde sur ces différentes plateformes, plusieurs fois sur chacune de ces plateformes. Et tu dois pas te limiter à dire « Hey, j'ai fait une nouvelle vidéo, viens donc la voir !» Non, tu dois expliquer en quoi cette nouvelle vidéo va aider ton audience. Parce que la clé d'une chaîne YouTube qui décolle, c'est que tu apportes du contenu de valeur à tes spectateurs, que tu les aides. Alors oui, il y a une phase ingrate où tu publies vidéo après vidéo qui font assez peu de vues et pour lesquelles tu as assez peu d'abonnés. Mais si tu t'accroches, que tu cherches à publier des vidéos qui aident réellement tes spectateurs et que tu cherches aussi à t'améliorer de vidéo en vidéo, alors l'une de tes vidéos un jour trouve son public, elle commence à empiler les vues et ta chaîne décolle. Et voilà, maintenant tu sais exactement comment mettre toutes les chances de ton côté pour que YouTube fonctionne pour toi. Alors si tu as besoin que je jette un œil à ta chaîne, dis-moi en commentaire en quoi ta chaîne et tes vidéos aident tes spectateurs. Abonne-toi à la chaîne et inscris-toi pour recevoir la formation gratuite et je te donnerai mon avis sur ta chaîne et tes vidéos directement dans ta boîte mail. Et si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la auprès d'autres entrepreneurs qui se demandent pourquoi YouTube ne fonctionne pas pour eux et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. À la semaine prochaine! Pour mettre toutes les chances de ton côté. Des exceptions, des chaînes qui ont progressé. Qui ont progressé. J'ai hacké. De la chaîne américaine. Tes vidéos doivent...